Ok. On est au calme. Hey, salut tout le monde. Donc on se retrouve pour le chapitre 8, donc les germes du mal. Voilà comme ils s'appellent, les germes du mal. Donc on se retrouve ici là, dans une petite pièce après avoir battu le gardien qui était assez simple. Ah bah, je me suis déjà perdu dans ce. C'est ces germes là, c'est germes. Oh merde. Ah mais c'est ces fils de pute en plus. On va essayer de les contourner si possible. Ils sont sympas, hein. Non, pas trop en fait. Calmez-vous les gars. Ah putain, salut. Allez, bouge. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah non, mais qu'est-ce qu'il faut faire, sérieux? Il est mort. Allez les gars, on se rassemble. On fait tourner les zombies comme sur BO. Ah, c'est juste un peu plus dégueulasse, quoi. On va pas se mentir. Ça c'est pas les. Ah là là, c'est pas les zombies. What? On va se débarrasser de la façon la plus sympathique possible. J'ai plus d'allumettes, c'est chiant ça. C'est bien pratique ces trucs. Mais merde, j'ai ramassé ces balles, dégage. Ça va les ramasser. Voilà. Ah si, d'accord, bah c'était ça. Ouais, c'est le cadavre qui me faisait bloquer en fait. Ok, très bien. Quel pauvre type, mais quel pauvre type, salaud. Oh merde. On va utiliser le sniper. Ah oui, merde, ça c'est sûr. D'où, mais d'où, allez, bouge pas, bouge pas. Allez, tu vas te détendre de deux. Ah ouais, ok, d'accord, il y a une façon... C'est étrange d'escalader. C'est bon, one shot. Parfait. T'as aussi one shot, mec. C'est quoi ce bruit? Il y a un mec derrière moi, bien sûr. Allez, descend, tranquille. C'est la famille. T'es pas mort, obligé, tu bouges encore. Juste mes balles. Juste mes balles, eh oui. J'ai pas peur. Un peu quand même, mais bon. Bon, allez, on va foncer. C'est le rush de niveau un petit peu. Alors, on m'a dit qu'il allait durer assez longtemps ce niveau, on va voir ce qui va. Ce qui va y en être. J'espère pas trop longtemps non plus parce que... Ah, il y a la petite statue. Cette statue veut dire clé. Donc si on le casse... Clé. Voilà, parfait. J'ai plus d'allumettes, mec, arrête. Me fais pas chier. J'aimerais bien tous les cramer. Avant d'en trouver partout, maintenant... Oula. On va prendre cette position assez recommandée, on va dire. Merde. Ouais, ça c'est courir ou mourir. On va courir. C'est pas mourir. Forcément, il y a des trucs intéressants dans cette trièce. Non, il n'y a rien du tout. Faut aller où maintenant? Allez, 1, 2, 3. Oh merde, ça vient après. Oh là là, oh ma vie. Ouh ma vie. T'inquiète, toi viens. Par contre là c'est... C'est un peu étroit. Il va falloir y aller. Y'allez, point de contrôle, eh oui. Allez, qu'est-ce qu'il y a à ramasser? Ah, une petite
enregistrement, je vous laisse écouter. Courbe d'activité cérébrale absurde, observée chez les patients 25 et 33, et aussi chez les... Ça c'est cool. Oula, je sais pas ce que c'est, mais... D'autres expériences sur le cortex préfrontal ont causé une dégradation du sentiment identitaire. Mais cette fois, les résultats sont sûrs. C'est quoi ces trucs là? Les pensées suicidaires des personnes avec des soucis deviennent des attaques. Oula, c'est dégueulasse! Quand la conscience des choses diminue. Qu'est-ce que c'est, mais. C'est pas mignon! Comme toi, tu et moi sommes contraints de vivre ensemble. Écraser un peu tout ça. Une haine éternelle de l'autre. D'accord, forcément, bah ouais. Délicieux. Il manque une jambe. Ah, j'ai pas pris une mine, je croyais les avoir prises, merde. Allez, calmez-vous les gars. Allez. On va y faire abstraction de secondes. On va ouvrir cette porte. Et encore un tour. Encore deux. Voilà, parfait. Farpé. Ok, un petit passage dans l'eau comme on les aime. On va aller à droite parce qu'on sait pas les couilles de la gauche. D'ailleurs, rien. Ok, d'accord, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Est-ce qu'on prend le temps d'aller à droite? Ouais, il y a des mines, on va prendre le temps. Faire quoi? Casser. Le mec, il casse tout. Hein. Un coup de poing et il cache trois planches, normal. Allez, ça me bat les couilles, frère. Il va. Pas ça, on n'est pas. À l'aise comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut juste la passer celle-ci. Juste ramasser dessus, ça l'est. Ok, pas très bon. Toi mec. Faudrait essayer de s'esquiver franchement parce que là il m'use pas mal de balles, c'est cool. Allez, on rush, on rush, on rush. Pas envie de rester dans les parages. Ok, ça c'est cool. Ça, cool aussi. Oui, c'est cool, cool. Est-ce qu'on peut aller à haut? Non, on peut pas. Ok, bon, allez. Faut que je rush, faut que je rush. Elle s'en fout. Elle va se réveiller celle-ci. Elle a une tête. Elle va se réveiller. Ok, au final, non, peut-être pas se réveiller. Bon, alors. Qu'est-ce que je fasse? Qu'est-ce qu'ils veulent quoi? Hop. Okay, donc là. D'accord, donc c'est forcément lui. Mais pourquoi c'est lui? Pourquoi? Bon, c'est pas grave, j'espère que ça va être la seule énigme de ce style là. Oula. Ça sent le Rubik. Vous le sentez vous? Vous aussi? Ben voilà. Parfait. Même dans les rêves, le mec il s'épuise en deux secondes quoi. C'est pas grave. Allez mec. On va voir ce qui se passe au bout. Doc. Doc, qu'est-ce qui se passe ici? Pas maintenant. Je dois trouver le moyen d'inverser cela si nous voulons l'arrêter. Qui ça? Ce Rubik? Mais qui c'est ce type? Désolé, je dois me concentrer. Ah ouais, d'accord. C'est dans votre intérêt de me dire ce qui se passe, Doc. Vous avez besoin de moi. Nous travaillons sur une méthode. Comment expliquer cela? Comme
pour interconnecter les cerveaux. Un partage total au niveau électrochimique. Émotion, mémoire, perception, mais bien plus. Instantanément. C'est révolutionnaire. Ah bah oui, je te crois. Les implications psychologiques, pharmaceutiques, et sur la conscience elle-même. Mais vous délirez. C'est un cauchemar, oui. Je n'ai jamais dit que c'était parfait. En particulier avec un hôte aussi instable. Génial. Donc votre associé est un psychopathe. Et on est tous dans sa tête. D'accord. Pas tout à fait, non. Nous y contribuons tous à notre manière. Mais il est le seul à disposer d'une influence consciente. Vous le connaissez bien. Qu'est-ce qu'il veut ? Eh bien, ce n'est qu'une théorie, mais... je dirais qu'il veut notre mort. Ah oui. Parfait, très bonne théorie. Ok. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a écrit ici ? Ok. Ok, bon, tant pis. Numéro Ok. Très intéressant. Bon, bah, je pense qu'il y a rien d'autre à faire ici. Là. Ok, très bien, on va faire comme si c'était normal. S'il veut ma mort, je pense qu'il l'obtienne qu'elle s'est aspélée. Ah, tu penses qu'en fermant la porte, ça va le... croire que oui. Ah, d'accord. Déjà ? Ah putain, eh oh ! J'ai même pas passé un quart d'heure sur ce chapitre. Bah écoute, c'est un chapitre assez rapide. C'est l'un des plus rapides. Bon, on en a pas mal appris sur ce chapitre. On en a pas mal appris. On est dans la tête de Rubik. D'après ce que j'ai compris. Et il veut ma mort. Il veut notre mort, mon dieu. J'espère que ça va bien se passer pour nous. J'espère bien. Sinon, ce serait dommage. Encore une fois, excusez-moi pour ma voix. Vraiment, gros rhume. Ça doit s'entendre. Très très gros rhume. Excusez-moi. Donc, c'est fini pour ce chapitre 8. On se retrouve demain pour le chapitre 9. Allez, les gars, je vous dis à bientôt. Ciao. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux t'abonner en cliquant ici. Et si tu cliques ici, tu seras directement informé des nouvelles vidéos. Et tu peux aussi liker et partager. Bon, allez, moi, faut que je bouge. Ciao.